pour innover dans ses ouvrages, dans ses dîners-débats, sous la forme d'une conférence live. Je voudrais d'abord dédier cette conférence à tous les acteurs du système de santé, les premières, les deuxièmes, mais aussi toutes les troisièmes lignes, car on est tous solidaires dans une démarche pluridisciplinaire pour participer à notre service public qui en a besoin. Nous sommes heureux de pouvoir ce soir prendre un peu de hauteur, sortir du débat politicien, technicien, savoir qui est responsable, quelle technique adopter. Nous laisserons le choix aux différents corps constitués, des inspections, de la Cour des comptes, des commissions parlementaires. Mais le CRAPS vous propose ce soir une réflexion qui j'espère, prendra de la hauteur. Le CRAPS va préférer ce soir la formule Bertrand Jouvenel à BFM, va préférer le Futurible à Paris Match ou à Gala, pour débattre d'un sujet qui nous concerne tous, qui est celui de la crise, avec une question simple, mais assez complexe, qui est comment qualifier cette crise? Quels en sont les enjeux? Quelles sont les premières leçons qu'on peut en tirer? Pour cela, le CRAPS va et remercie deux experts que je vais présenter tout à l'heure, des acteurs du système de santé, des hospitaliers, mais aussi des médecins libéraux, des pharmaciens, un biologiste, pour essayer de répondre ensemble à cette question. Vous pourrez vous-même participer à ce débat en posant des questions. Et puis nous aurons un invité surprise. Pourquoi surprise? Parce que le Danemark a été le premier pays européen qui nous a fait la surprise d'ouvrir ses écoles à partir d'hier. Et donc, on questionnera un responsable de l'ambassade du Danemark. Alors, je voudrais accueillir d'abord Guy Valencien et David Gruson. Guy Valencien, dont on ne va pas présenter, mais qui intervient ce soir parce que depuis CHAM, où il m'a initié à la prospective, il a toujours eu un regard intéressant, utile, et aussi libre sur le système de la santé et le système de la protection sociale en général. Alors, Guy Valencien, c'est le premier que je vais interroger. Guy Valencien, comment qualifies-tu la crise actuelle? Quelles en sont les leçons? Quels en sont les enjeux? Tu as la parole. Elle est violente, mais si je regarde, quand on regarde l'histoire, il y a, bien sûr, on sait qu'il y a eu pire. Ce qui est violent, c'est moins le rôle direct de ce fichu virus, espèce de bestiole nanométrique, ce sont les conséquences du confinement et toutes les conséquences sociales et économiques que nous allons avoir à traiter, qui sont, à mon avis, presque beaucoup, enfin, même certainement beaucoup plus lourdes que ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de risques et de mortalité dues à la maladie elle-même. On va probablement aller à 25 000, 30 000 morts. Je rappelle qu'en l'hiver, enfin, printemps de 1979 et 1960, pardon, 1969-70, il y a eu près de 32 000 morts en France. Robert Boulin était ministre de la Santé, n'a pas du tout été inquiété. Les journaux parlaient de la grippe comme ça, alors que la SNCF a arrêté ses trains, les administrations étaient bloquées, les entreprises fermées. Bref, même événement, même probablement taux de mortalité. Et deux ressentiments complètement différents. Le pays a changé, il est paniqué sans doute parce que le virus, on ne le connaît pas. Et je crois que c'est la peur de l'inconnu face à cette petite bête qui nous fait peut-être aller à des précautions énormes, qui, je le répète, vont avoir des incidences extrêmement lourdes. Je crois que personne, que tout le monde en est conscient, dans la suite et qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Voilà un petit peu ce que je peux dire en deux mots pour ne pas emboliser le temps. Si tu as une Concernant question, je viens, le. mais oui. Il y a une formule que j'aime bien d'un militaire qui disait on ne peut pas commander la guerre. Est-ce qu'on peut Non. commander le virus? Non, on ne peut pas commander la guerre. Je reconnais que les militaires sont très bons en temps de crise, tu sais. Ce sont des remarquables organisateurs capables de réduire les échelons de décision sur le terrain comme jamais le civil ne sait le faire. Ce sera une des leçons à tirer de pouvoir reprendre. Je dirais, faire reprendre le terrain en termes de responsables directs, beaucoup plus qu'on a pu le voir jusqu'alors, même si les équipes dans tous les hôpitaux et les cliniques, et chez les libéraux, les médecins libéraux, ont pu s'organiser. Mais il y a eu du retard à l'allumage, on le voit bien. Il y a eu de la difficulté, il y a eu des sentiments de ressentiment. Voilà, hein, c'est le public qui doit tout faire. C'est vrai qu'on a vu dans les télévisions uniquement des collègues de l'APHP et un petit peu de l'APHM, et pour cause. Mais je n'ai pas entendu quasiment un responsable de clinique, ou il y a eu quelques généralistes libéraux, bien sûr, mais on voit bien qu'on est encore sur un système qui marche sur deux pattes.
dont une est grande, l'autre petite, et un dahut, ça va jamais bien. La guerre de 14, on dit toujours qu'elle a eu comme effet, un des effets, de mettre fin à la guerre entre les laïcs et les chrétiens sur la réforme de 1905 de la laïcité de l'État. Est-ce que cette guerre va nous permettre d'avoir une vision un peu plus unitaire entre privé public, libéral public, et au sein même de l'hôpital? Comment tu le vois? Ah oui, alors là, je te suis complètement. Je suis convaincu que nous ne ferons pas comme avant et que c'est l'occasion ou jamais pour moi de sortir du statut de la fonction publique, j'espère que Rachel ne va pas s'énerver, et deuxièmement, de créer une forme juridique nouvelle, que l'on soit libéral ou hospitalier, c'est pas le problème, qu'on trouve une forme juridique nouvelle d'organisation de la pratique sur les territoires et qu'on n'ait plus cette dualité insupportable. Moi, j'en suis convaincu, c'est la plus grande des réformes à faire, c'est la première, c'est la mère de toutes. Avec la réorganisation interne de l'hôpital, ce sont les deux clés. Les cliniques étant souvent assez bien organisées, il faut reconnaître. Mais voilà, il va falloir trouver, pas un statut, mais une forme juridique de collaboration possible, de contrat, en gros. Voilà, quel contrat on va offrir aux médecins, aux infirmiers, aux kinés, aux pharmaciens, aux biologistes, à tous ceux et toutes celles qui travaillent dans le monde de la santé, aux médico-sociales de la même façon. Arrêtons de diviser tous ces mondes. Nous sommes dans un patchwork insupportable. Il faut arriver à égaliser tout cela. Et je crois que c'est un gros travail à faire ensemble. Je sais que certains vont s'énerver en disant qu'on tue la médecine libérale. Je ne le pense pas. Je pense que nous avons tous, on tuera à la fois la médecine libérale et la médecine hospitalière telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et c'est bon, parce qu'il faut changer de paradigme et aller vers un nouveau système. Oui, on a perdu Jean-Paul. Oui. On a perdu Jean-Paul. D'accord. Est-ce que tu m'entends, Guy? Est-ce que ça va? Oui, très bien, David. Alors, j'avais le mandat, si jamais la connexion se rompait, de prendre un petit peu le relais. Donc, tu as parlé de l'organisation du système. Qu'est-ce que tu penses que ça change, cette crise, ou ça ne change pas, en termes de fabrique de l'innovation? En termes de fabrique de l'innovation, oui, c'est ça. Ah ben ça va. Au contraire, c'est une extraordinaire. Mais c'est une extraordinaire fabrique de l'innovation dans tous les domaines, celui dont je te parlais, mais aussi dans la restructuration des EHPAD, dans la restructuration de nos instances publiques. On a beaucoup trop de hauts conseils, de différentes agences, de ceci et de cela, d'instituts machin et choses qui se marchent sur les pieds. Donc, on simplifie complètement, là encore, la structure publique pour qu'elle soit la plus capable de réagir vite et bien à des événements comme celui-là qui se reproduiront certainement. Il faut aussi aller beaucoup plus vers la pensée que la santé est une économie d'avenir et arrêter de la considérer comme un boulet dispendieux et de nous envoyer des micro-pourcents de gains chaque année par une ONDAM qu'il faut supprimer. Il faut supprimer l'ONDAM. C'est une machine à tuer. C'est un autre virus, aussi, mais beaucoup plus pervers que celui-là. Et donc, voilà, il faut carrément repenser les choses en se mettant à table ensemble. Je suis persuadé qu'on y arrivera. Je suis convaincu que cette crise nous mûrit tous. Voilà. Elle nous fait comprendre qu'on a intérêt à jouer tous ensemble. Alors, c'est évidemment trop tôt pour tirer des enseignements. On est dans la phase de la gestion de la gestion de crise. Et puis, l'expérience m'a montré, notamment les fonctions hospitalières que j'ai occupées, qu'on est toujours beaucoup plus intelligent après. Donc, il faut faire attention aux commentaires. Néanmoins, j'ai un peu le sentiment que par rapport à des crises antérieures, il y a comme un écart entre le dévouement et la compétence exceptionnelle des professionnels qui se manifestent sur le terrain, et un certain nombre de fonctions d'état-major qu'on avait su bien gérer dans certaines crises précédentes, notamment la question logistique, ce qu'a dit un peu le président de la République lundi, les questions d'approvisionnement en matériel. Et là, il y a le sentiment qu'il y a eu un certain nombre de fonctions de cet ordre-là qui sont lentes, qui sont compliquées. Est-ce que tu partages ce constat, Guy, d'un écart entre le terrain et l'état-major? Oui, tout à fait. Un exemple, et je ne le citerai pas nominalement, mais un CHU que je connais avec une équipe de chirurgiens et de médecins qui sont régulièrement en Chine,
Donc, cette équipe de médecins et de chirurgiens a demandé à l'équipe qu'ils connaissent à Nankin de leur envoyer des masques, 20 000 masques. Réponse de la direction, non, ce n'est pas validé. Boum. Donc, les masques sont arrivés en moins de 4 jours. Ils sont arrivés, ils ont été distribués aux médecins généralistes. Très bien. Mais l'hôpital, le CHU, n'en a pas voulu. L'ARS de la même région a demandé à ce que le gel hydroalcoolique qui avait été fabriqué par la pharmacie du CHU ne soit pas distribué parce qu'il n'était pas validé, une fois de plus. Et troisièmement, la direction du CHU a interdit au personnel d'utiliser et de bouffer les plats qu'apportaient les restaurateurs du coin parce que ce n'était pas validé. Donc, arrêtons. La précaution, quand on est en guerre, elle est mortelle. Agir, c'est se tromper. Agir, c'est défoncer l'existant pour inventer le futur. Alors, moi, je voulais t'interroger aussi sur un autre aspect qui est celui du recours au numérique, à la technologie dans le domaine de la santé et peut-être appeler ta réflexion sur une forme de paradoxe. On n'a jamais été aussi avancé dans le déploiement de l'IA et du numérique dans le secteur de la santé. On voit qu'il y a des barrières qui se franchissent et pourtant, c'est une crise qui est gérée essentiellement par l'humain et avec des moyens parfois rudimentaires. C'est un peu ce grand écart entre, d'un côté, la bascule vers l'IA et de l'autre, le caractère très frugal finalement de l'intervention des professionnels qui peut-être nous interroge. Alors, je te suis complètement, parce que si tu veux, prenons l'exemple du téléphone. Enfin, moi, j'ai fait 40 ans de pratique médicale. Je n'ai pas cessé de téléphoner à mes malades. D'abord, ça, je n'ai jamais demandé à être payé. Et on avait des échanges comme ça. On n'a jamais dit, attention, ton téléphone peut être crypté et on risque de déborder sur la vie privée. Je suis très content que Olivier Véran ait autorisé à ce que les smartphones soient utilisables. Je lui ai même dit qu'il faudrait que chaque personnel qui va voir un malade, je pense du reste à ces infirmières en pratique avancée, que l'on devrait développer dans tous les territoires et qui irait en premier, voire dans la maison, dans l'entreprise, dans l'administration, à l'école, sur le stade, partout où il y a un pépin, voir ce qui se passe. Donc, une fois sur deux, elle réglera le problème toute seule. Une fois sur quatre, elle demandera aux généralistes. Et une fois sur quatre, elle verra avec les urgences. Et il faut qu'elle ait un smartphone qui soit à la CNAM. Comme ça, c'est un smartphone qui n'appartient pas aux malades. On peut prendre des images d'une blessure, d'un problème. Donc, voilà. Alors, je sais que tous les opérateurs qui ont construit des systèmes complexes de télémédecine s'affolent en disant « Oh là 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 là, on a mis un pognon pas possible et maintenant on dit qu'on peut utiliser le smartphone ». Oui, depuis le début, il fallait le faire. On n'avait pas besoin de tous ces instruments cryptés qui nous empoisonnent la vie. Oui, le smartphone est l'outil du futur en téléconsultation. David, une question. Les militaires disent toujours « Pour gagner la guerre, il faut la technique, mais aussi il faut des hommes et des hommes qualifiés ». Comment, toi, tu es un ancien hospitalier, comment améliorer la performance de nos établissements de santé à partir des leçons de cette crise? Je partage complètement le constat que vient de faire Guy. Vu d'abord peut-être un constat sur la partie numérique, la technologie, et puis un constat sur l'humain avant de laisser parler les collègues qui sont eux qui ont dans première ligne dans la réponse directe sanitaire à la crise. Sur la partie technologique, je suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Guy. Je pense qu'on s'aperçoit qu'on peut sans doute aller vers des déploiements plus rapides et de solutions plus simples. Là, avec Jouve, dont je dirige les activités santé, ça fait 6 mois qu'on travaille sur une solution d'IA d'automatisation de l'admission. Vous voyez, réduire le papier dans la gestion des process administratifs et financiers. Les hôpitaux produisent encore chaque année 200 millions de feuilles de papier pour leur seule facture. Et là, cette solution qui était très complexe à construire et qui soulevait des questionnements se diffuse très très vite maintenant, mais dans une version plus simple pour déployer les documents très rapidement, essayer de faire en sorte qu'en contexte épidémique, on ne se présente plus au guichet d'admission. Donc il faut aller vers de l'innovation peut-être plus frugale, plus rapide, avec des moyens plus simples. Et puis le deuxième constat sur l'humain, il y a finalement dans cette crise le sentiment que j'ai pour avoir échangé avec pas mal de collègues en établissement public et privé mais aussi en ville, c'est que c'est une crise qui d'une certaine manière établit un grand écart entre l'unité forte des acteurs sur le terrain qui se ressent, qui s'exprime, la coordination s'opère et en même temps la mise à jour de fractures amplifiées peut-être par un certain nombre
de dysfonctionnement d'état-major, la fracture ville-hôpital, et puis cette fracture sanitaire, médico-sociale, jusqu'à l'extrême, jusqu'au point où finalement, pendant des semaines et des semaines, on n'a même pas compté les morts en EHPAD, comme s'il y avait une fraction, un continent qui nous échappait, une démonstration par l'absurde et par l'extrême de la séparation entre sanitaire et médico-social, dont cette crise montre qu'on doit maintenant vraiment la dépasser et s'en débarrasser. Ça veut dire que peut-être une des leçons, ce sera de revoir la séparation entre le social et le sanitaire, revoir la loi de 75. Ah oui. Sûrement. Donc, sûrement. On a la chance d'avoir un infirmier d'Institut Mansouri qui est en réa, qui est un acteur sur le terrain, qui était vraiment en première ligne. Alors, s'il est en ligne, comment il réagit à ses propos et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bonsoir. Monsieur Hidalgo. Bonsoir, bonsoir. À toutes et à tous. Participation. Sympa. Moi, je vous en prie. Bien, pour commencer, je souhaiterais profiter de cette intervention également pour saluer l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans la gestion de cette crise sanitaire et plus particulièrement l'ensemble des collaborateurs de l'Institut Mutualiste Montsouris qui sont tous sur le front, indispensables pour garantir la prise en charge des patients et la sécurité du personnel. Alors, excusez-moi, juste vous m'aviez posé quelques questions dans un premier temps. Voilà. Comment qualifier la crise actuelle? Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain et comment vous avez perçu les enjeux? Oui, alors je qualifierais cette crise de révélatrice dans un premier temps puisque cette crise a révélé et révèle encore qu'il est indispensable de privilégier la santé avant tout autre domaine, que la santé de la population passe au premier plan. Dans un second temps, elle a révélé une capacité justement du monde de la santé à se mobiliser, à s'adapter, à collaborer en intra-hospitalier, mais également avec les autres établissements de santé. Et elle a révélé, comme l'a cité M. Valencien, vraiment des difficultés pour le personnel soignant en lien avec des tensions d'approvisionnement, des prises de décision rapides et une réactualisation aussi fréquente des recommandations. Alors, pour les enjeux, afin de justement les évoquer, pour notre établissement, je tiens tout d'abord synthétiquement à témoigner de l'implication progressive de l'Institut Mutualiste Montsouris à la gestion de cette crise sanitaire, puisque à l'origine, donc l'IMM était un établissement de troisième ligne. Nous avons donc libéré des lits de réanimation de manière à accueillir des patients non-Covid d'autres établissements afin qu'eux puissent prendre en charge justement davantage de patients Covid. Puis au regard de l'avancée de l'épidémie, l'établissement a été amené à prendre en charge des patients Covid en réanimation et en hospitalisation. Très rapidement, il a été nécessaire que davantage de lits en réa et en hospitalisation pour patients Covid, mais également de matériel et de personnel soient disponibles, ce qui a conduit à une totale réorganisation des lits de l'institution. Et ce qui a amené également à ce que des personnels non habitués aux pratiques de la réanimation y exercent. Donc en finalité, on a doublé notre nombre de lits de réanimation. Et on a pris plus de 200 patients Covid en charge, dont une cinquantaine en réanimation. Il y a un de vos collègues qui est soignant m'écrit, Cotteret, à défaut de voir arriver les masques entre catégories professionnelles sont tombés. Il n'y a eu jamais autant de collaboration et de coopération entre les acteurs. C'est vrai en interne? Oui, il y a une très très grande collaboration en interne qui se fait. Que ce soit entre l'équipe opérationnelle d'hygiène, également tous ceux qui travaillent à la direction des achats, de la supply chain, qui vraiment aident grandement à anticiper justement la gestion des stocks, puisqu'on a beaucoup parlé du matériel de protection, mais il est également aussi question vraiment de matériel spécifique à la prise en charge de patients Covid, comme je pense au système d'aspiration clos, également aussi à des filtres haute efficacité, aux sondes d'intubation. Donc vous voyez, ce sont des matériels finalement auxquels on aurait pu ne pas penser, pas assez anticiper, et finalement tout le monde s'est mis sur le front. On a également, je pense à tous les collaborateurs justement de l'IMM, qui ont investi du temps pour fabriquer des surblouses, puisqu'il y a également des tensions d'approvisionnement sur les blouses à manches longues, donc qui servent à l'habillage des soignants pour être protégés en lien avec le coronavirus. Donc vraiment, tout le monde est impliqué pour la même cause.
Et les leçons, si vous deviez donner, allez, vous êtes devant le ministre, là, qu'est-ce que vous lui dites comme conseil, comme leçon? Allez. Alors, vous n'êtes pas le ministre, vous n'êtes pas Alors, le au politique. ministre. Ben, qu'est-ce que vous diriez? Vous êtes sur le Alors, terrain, vous je. vivez. je... Ouais, alors j'évoquerai tout d'abord que la santé de la population apparaît vraiment comme une priorité. On le voit clairement en lien avec le confinement, etc. Que tous les établissements de santé, quel que soit leur statut, se sont mobilisés, ont joué un rôle dans la gestion de cette crise. Également que la France dispose de professionnels de santé compétents, performants, dynamiques, solidaires, capables de s'organiser, d'anticiper, de s'adapter dans le cadre d'une crise sanitaire. Alors que ceci pourrait justifier justement d'une revalorisation pour les professionnels de santé, que le personnel paramédical est au centre de l'organisation, de la gestion des moyens et des ressources, de la qualité et de la sécurité des soins, qui joue un rôle essentiel dans la coordination des besoins et dans la prise en charge des patients. Également qu'il a été nécessaire d'augmenter le nombre de lits de réanimation sur le territoire dans le cadre de cette crise, avec un manque de personnel formé à la réanimation. Donc nous pourrions nous demander si le nombre de lits de réanimation sur le territoire est suffisant, que le domaine de la réanimation, donc là qui a été mis vraiment en lumière sur le devant de la scène dans le cadre de cette crise, est une spécificité qui nécessite des connaissances particulières. Donc on pourrait se poser la question de l'intérêt justement de la spécialisation des soignants de réanimation. Donc je rejoins également ce qu'a pu dire Monsieur Valencien. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc des tensions d'approvisionnement de dispositifs médicaux, de médicaments, des indisponibilités d'équipements, en lien également avec des contingentements, ont été constatés dans le cadre de cette crise sanitaire. Voilà, donc Merci. j'évoquerai ces leçons au ministre. David, une réaction avant de passer la parole à notre amie Rachel. Non, je ne l'ai plus en ligne. Bon, on va essayer de passer Rachel Bauchet. Rachel, est-ce qu'elle m'entend, Rachel Bauchet, notre psychiatre et notre PH national, est-ce qu'elle nous entend? Alors moi oui, maintenant je viens de t'entendre à l'instant. À Bon, l'instant, ben, très je ne bien. vois pas, c'est Écoute, normal. non, mais on te voit. Enfin, est-ce que dans le débat actuel sur la qualification de la crise et les enjeux, est-ce que tu as des éléments de réflexion et de débat, c'est certain. Et puis après, je te poserai une question parce qu'il y a deux intervenants là qui ont réagi sur la réflexion entre le social et le sanitaire que je vais passer à l'antenne. D'abord, globalement, ton sentiment, ta réflexion sur les enjeux de la crise et les premières leçons. D'accord. Alors, Jean-Paul Ségade, merci de me faire intervenir au niveau du CRAPS. Alors, comme on a 4 minutes, j'ai mis 4 constats et 4 pistes. Je vais essayer d'aller au plus vite. Alors, on est au milieu de la crise, au milieu du guet, mais je dirais que quand même, l'hôpital a montré qu'il était bien, on va dire, le cœur battant du système de santé. Pas seul, mais il est là, il a répondu présent, non seulement aux missions de soins, aux missions d'urgence, et aux missions de recherche qui sont indispensables, hein, dans le cadre de cette épidémie. Alors ce système, deuxième constat, est solide, grâce, comme l'a dit tout de suite Sébastien Hidalgo, c'est grâce à l'engagement du personnel, à sa formation, à sa compétence, et donc je dirais qu'il a répondu présent malgré, on va dire, malgré le manque de masques, malgré le manque de tests, et malgré les mobilisations qui avaient fragilisé l'édifice hospitalier, le personnel était présent des hospitaux. Troisième constat, c'est les patients. Je dois le dire, on est très inquiets, tous les médecins. Aujourd'hui, les patients ne sont pas au rendez-vous. Je dirais que pour différentes choses, les patients ont peur de sortir, comme l'a dit Guy Valentier au début. On a la question du. C'est pas la crise, mais c'est les effets secondaires liés à la crise. Les patients ont peur de sortir, ont peur d'être contaminés, ont peur de notre indisponibilité. Et je crois que ça va risquer d'entraîner des pertes de chance pour les patients, un retard d'accès aux soins et puis surtout une rupture par rapport à ces patients chroniques. Il y a plus de 15 millions de patients chroniques, je le rappelle. Troubles psychiques liés au confinement. Et mon quatrième constat contient. Tiens au fait qu'au niveau du confinement, Jean-Paul, on n'a pas été assez pédagogue. On aurait dû, nous et ceux qui nous relaient, les médias, être beaucoup plus pédagogues en insistant sur le fait que le confinement n'est pas une privation de liberté, ce n'est pas une guerre.
on est tous à la même enseigne et on a tous nos objets familiers. Donc, ce qu'il faut, c'est donner aussi un rythme de vie pour le confinement. Et je crois qu'on doit le faire pour éviter ce qui va arriver, c'est-à-dire les angoisses, les dépressions, les phénomènes de stress, mais pas des traumatismes, ce n'est pas une guerre d'être confiné. Sur les pistes, j'en ai quatre. Alors, je souscris tout à fait ce qu'on dit aussi bien David Gruson que Guy Valencien. Oui, moi j'appelle aussi, parce que rien n'est réglé et tout à construire, à une refondation du système de santé. Je veux dire, les médecins traitants ont été épatants en première ligne, comme l'hôpital, les pharmaciens, je tiens à les féliciter. Disons, je dois dire qu'on a beaucoup travaillé, j'ai eu bonne foi, avec les pharmaciens qui ont été très actifs, très réactifs, également avec les cliniques qui ont pu, justement, on a pu voir dans la répartition des missions. Et donc, il faut vraiment travailler sur le parcours du patient dans le cadre d'un territoire, oui, pour les GHT, oui, avec des GHT revisités. Deuxième point, évidemment incontournable, David. Tout le monde se dit télésoins, téléconsultations, téléexpertise. Et je dirais même, en fait, c'est pour certains d'entre nous, on a passé beaucoup de temps au téléphone, même avant que tout ça soit pris en compte, mais certainement aller plus loin dans le sens du numérique. Et je dis quand même, c'est pas seulement parce que je suis psychiatre, mais parce que je suis médecin, que le colloque singulier médecin malade et l'examen clinique est aussi. L'examen clinique, l'examen du corps, il ne faudra pas l'oublier. Troisième piste, c'est on voit comment dans ces périodes intenses de crise, le soin est revenu sur une utilisation, je dirais, plus essentielle, c'est l'art de soigner. Loin d'un consumérisme excessif, on n'a qu'à voir les urgences, par exemple, au CHU de Nantes où je travaille aujourd'hui, 50% des urgences en adultes, 30% en pédiatrie et même en gériatrie, les urgences sont loin d'être pleines. Je crois que dans cette question de sous-évaluation, je crois qu'il faut revenir à une juste utilisation de ce soin. Et le dernier point avant d'ouvrir le débat, c'est la question des économies. Pendant des années, on nous a dit de faire des économies, et puis d'un coup d'un seul, on dépense bien au-delà de tout ce que les économies qu'on a pu faire pendant des années, de façon brutale, alors qu'on nous a demandé de faire des économies qui ont été probablement, qui sont à l'origine des difficultés d'organisation de l'hôpital. Donc oui, je suis d'accord pour qu'on sorte de l'ONDAM. Moi aussi, je l'ai dit dernièrement, là, en fin d'année, je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Qu'en pensent nos deux experts, Guy Valencien, David? Est-ce qu'il faut, honnêtement, chaque fois qu'on règle le problème, on dit toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a même un parlementaire européen qui est, je vais le citer, qui est professeur à Paris, aux urgences, et qui dit qu'il faudrait augmenter les lits de réa. Mais en période normale, est-ce qu'il faut augmenter les lits de réa ou tout simplement donner la possibilité aux établissements d'augmenter les lits de réa quand il y en a besoin? Est-ce qu'il faut vraiment augmenter la capacité? On verra tout à l'heure le Danemark. Ils ont moins de lits que nous. Alors, est-ce que tu m'entends bien, Jean-Paul? Ça va, tu m'as récupéré. Alors, David, à toi. Peut-être un petit commentaire sur la question des capacités en lit de réa et de soins critiques. Je le dis parce que quand j'étais directeur général du CHU de La Réunion, j'avais été embêté par le ministère de la Santé a posteriori, alors qu'ils avaient validé le plan a priori, parce qu'on avait pris la décision de réévaluer les capacités de lit de réanimation et de soins critiques du CHU, ce que le ministre actuel vient de souligner comme étant un argument fort, un point positif du système de soins réunionnais. Alors je suis d'autant plus à l'aise qu'on a mis en œuvre ce programme d'investissement pour dire que ce qui me semble, sous le contrôle des collègues qui sont en première ligne, c'est que c'est peut-être moins la question du nombre de lits en valeur absolue que la question de notre capacité collective à élever, quand la crise arrive rapidement, les lits de soins critiques et la part de lits de soins critiques dans le total des lits. Et on voit qu'il y a peut-être une question de rigidification de nos capacités et que peut-être on doit peut-être avoir davantage de lits de réa en valeur absolue par rapport au point de départ, mais peut-être surtout une capacité, quand une crise de cette ampleur-là survient, à déployer beaucoup plus rapidement des lits de soins critiques en convertissant en lits de soins critiques des lits qui ne sont pas utilisés à ça en temps normal.
Guy Valencien. Je rejoins ce que dit, oui, je rejoins ce que dit David, parce que sinon, tu comprends, il faudrait mettre 67 millions de lits à ce moment-là, avec 67 millions de respirateurs, donc on délire totalement. Je sais que ça va être une des revendications de certains. Plus de lits, plus de monde, plus ceci, plus de cela. Il y a une chose essentielle. Oui, il faut mieux payer le monde de la santé. Médecins, infirmiers, tous les personnels, pharmaciens, dentistes, biologistes, tout le monde. Ça, oui, ça c'est vrai. Et on a les moyens parce qu'on dépense un pognon de dingue, comme dit un certain président, et on gâche énormément. Il y a à peu près 25%, nous dit l'OCDE, d'actes inutiles, tant diagnostiques que thérapeutiques. Cessons-les. Si je regarde juste un détail, on a 22 milliards de dépenses d'honoraires médicaux chez les médecins libéraux, 12 à peu près chez les spécialistes et 10, je crois, chez les généralistes. Pourquoi faut-il plus de médecins demain? Non, il en faut moins. Si on réduit de 25% le nombre de médecins que nous sommes, nous récupérons 5 milliards et demi que l'on redistribuera sur ceux qui restent parce qu'ils auront le difficile à faire et sur les personnels intermédiaires à niveau supérieur, les fameuses infirmières en pratique avancée, on peut les redistribuer. Ça veut dire qu'un médecin généraliste passera en moyenne de 80 000 à 110 000 euros de revenus par an. C'est cela qu'il faut faire. Mais à nous, simplement, de comprendre qu'il faut sortir du système à l'acte. Il n'est plus supportable dans une véritable économie de la santé moderne. Il est de l'ancien temps. Donc, ce que l'on vit, c'est un véritable tsunami. C'est une bombe atomique avec c'est les murs de Jéricho qui s'écroulent, avec, comme l'a dit Rachel et comme l'a dit Sébastien, un énorme travail en commun des équipes qui ont quitté mon service, ma penseuse, ma secrétaire, mon bic, mon ordinateur, pour travailler ensemble. Tous les personnels de ceux que j'ai interrogés ayant le droit d'apporter leur pierre à l'édifice et de proposer des innovations qui auraient été inimaginables avant. Donc je dis bravo, profitons-en. Mais ne considérons pas qu'il faut demain se mettre à avoir de quoi assurer la surveillance des 67 millions de Français avec un lit sur chaque paillasson de chaque maison de campagne. Alors, si j'ai bien compris, il y aurait accord de tout le monde pour dire qu'une des leçons de la crise, c'est de revoir la T2A. Oui, avec la qualité. Mais en soi, moi j'avais dit à l'époque à Roselyne Bachelot, la T2A, c'est pas suffisant, il faut la qualité. On n'a eu que l'activité. Il faut évaluer la qualité. Moi, pendant 40 ans, j'ai opéré, je n'ai jamais vu quelqu'un me voir au bloc, savoir si je faisais bien. C'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Ça n'existe nulle part dans aucun autre métier. Donc, je demande à être évalué. Je ne sais pas, en France, quelle est la moyenne, par exemple, des incontinences et des impuissances après prostatectomie radicale ou radiothérapie. Nous devrions les avoir. Ce qui nous permettrait de nous situer, comme nous font nos collègues anglais, sur des abacs où tous les 3 mois, ils reçoivent sur leur ordinateur leur niveau de décèlement de prothèses de hanche, d'infection nosocomiale et autres. Nous sommes des ringards. On travaille dans le noir. Et donc, il faut absolument ces évaluations de façon à aboutir à une véritable économie de la santé, non pas des économies, mais une économie sur laquelle il faut investir lourdement parce que, avec la distraction et avec l'éducation, ce sont les 3 économies de demain. On va laisser les collègues s'exprimer. Juste un mot sur la T2A. Effectivement, le système a montré ses limites. Il faut faire quand même attention à ne pas le rendre responsable de tous les dysfonctionnements que l'on relève. Il y a la T2A et peut-être les détournements de la T2A. Et je le dis là aussi d'autant plus facilement que pendant les 2 années où j'étais à Matignon, j'ai participé d'un système que l'on connaît bien. Vous voyez, c'est le système où on a mis des bloqueurs, des rustines pour finalement empêcher que le système de valorisation de l'activité médicale fonctionne au réel de la production d'activité médicale. Et dans un moment jusqu'à l'absurde que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on est concrètement obligé de bloquer le financement à l'activité et de revenir à des systèmes de dotation forfaitaire, alors que si on laissait peut-être jouer la valorisation de l'activité médicale de réanimation et de soins critiques comme elle doit jouer, comme étant un système devant être fortement valorisé, les établissements s'y retrouveraient. Donc il y a le principe même de la T2A et la nécessité d'intégrer mieux les parcours de prise en charge des patients et sortir de ce mécanisme de blocage et contre-blocage qui fait que le système dans sa partie technocratique ne laisse pas jouer les règles de financement comme elle devrait jouer quand l'activité médicale se présente de façon massive comme en ce moment.
Ben c'est un bon sujet pour un prochain débat, c'est comment assurer le financement de la performance de l'acte médical. Là, pour moi, c'est facile, je vais passer la parole à Ortiz. Jean-Paul, j'ai Bonjour. entendu la question de notre ami. Qu'est-ce que tu en penses? Le paiement à l'acte, le paiement à la performance, le paiement à la qualité? Mais avant, peut-être, ta réflexion sur globalement comment tu analyses cette crise et quelles leçons tu peux en tirer. Alors, rapidement, les quelques enseignements qu'on peut tirer de cette crise, de mon point de vue, à l'heure où on en est effectivement qu'à peu près au milieu. Quatre réflexions très brèves. La première, c'est qu'on a vu l'émergence d'une coordination sur le terrain. Coordination entre les structures hospitalières. Alors, ça n'a pas été simple. Franchement, ça n'a pas été simple. On a fait appel aux cliniques privées quand vraiment l'hôpital débordait, dégueulait, n'en pouvait plus. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais ça s'est mis en place. Et deuxième aspect de la coordination, c'est cette coordination territoriale. Et moi, je suis frappé de voir qu'en fait, la coordination, elle s'est faite sur le terrain. C'est les acteurs de terrain, les acteurs hospitaliers, mais aussi les acteurs de ville, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les autres professionnels de santé qui sont coordonnés, qui ont monté des centres Covid, qui ont montré combien ils pouvaient s'organiser pour prendre en charge et maintenir la qualité des soins des patients. Deuxième réflexion, c'est le booster qu'a constitué cette crise sur la place du numérique en matière d'organisation des soins et d'accès aux soins pour les patients. L'exemple même, ça a été dit, c'est l'extraordinaire booster sur la téléconsultation. Moi, je m'en félicite parce que je pense qu'effectivement, on tardait un peu à se lancer dans la téléconsultation pour tout un tas de raisons, pour mieux répondre aux besoins de la population. Brutalement, nécessité fait loi, plaque, on s'y est mis. Énormément de médecins se sont mis à la téléconsultation. Alors, on va me dire, oui, mais c'est de la téléconsultation dégradée, vous n'avez pas respecté, etc., etc. Peu importe, ça y est, on y est, on est dedans. Et moi, je me félicite de cette avancée avec des choses simples. On a simplifié les choses, je trouve que c'est une très bonne chose. Troisième réflexion, personne n'en a parlé, qui quand même m'a frappé. C'est l'extraordinaire médiatisation d'un problème épidémique. Et tout à l'heure, on rappelait qu'il y a une quarantaine d'années, on n'en parlait pas du tout. Et la médiatisation qui va jusqu'à l'enjeu politique d'une prescription médicale d'un médicament. Je trouve ça quand même tout à fait surprenant de voir que la prescription médicale devient un débat politique sur la place publique. Enfin, c'est quand même, c'est décoiffant cette évolution-là. Et il est temps que le milieu médical, le milieu scientifique, au plus vite donne les grandes lignes de conférences de consensus, fasse de la recherche clinique tout azimut partout, en impliquant tout le monde. Il faut vraiment qu'on avance beaucoup plus vers ça et qu'on arrête de médiatiser quelque chose autour d'un produit qui marche ou qui marche pas, on n'en sait rien. Enfin bon, moi je trouve ça quand même extrêmement surprenant et c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment réactif. Et bon, le quatrième point. C'est le fait que la mondialisation, excusez-moi l'expression, mais est en train de nous péter à la gueule en matière de santé. On ne peut plus se permettre d'être dépendant de la Chine et de l'Inde sur des choses aussi simples que les masques, que les principes actifs des médicaments. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on est dans cette situation, on est à la merci de n'importe quel coup de vent, quel coup de Trafalgar qui fait que on est dans une situation extrêmement difficile. Et je crois que ça, il va falloir en tirer les conséquences, il va falloir organiser les choses. Et tout à l'heure, quelqu'un le disait, demain ne sera plus jamais comme hier. Et y compris en matière de santé, y compris en matière de soins, il va falloir complètement évoluer. Dernière réflexion pour répondre à Guy Valencien, oui, trois fois oui, il faut arriver à rémunérer la qualité. On ne sait pas le faire en France, on ne sait pas évaluer, on ne sait pas transformer notre système de santé en un système qui cultive l'efficience autour de la qualité et de la pertinence. Et ça, c'est dramatique, parce que bien sûr, tous les acteurs disent toujours plus, on veut plus d'argent. Non, la solution, ce n'est pas on veut plus d'argent. Il ne faut pas forcément plus financer le système de santé, il faut mieux financer le système de santé.
les acteurs, mais aussi les activités qui doivent être financées en fonction de leur pertinence et de leur qualité. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème, on sera toujours en train de courir derrière, de rajouter, et on est devant un tonneau des Danaïdes. Et je crois que ça, il faut vraiment que ça cesse. Merci de cette intervention, cette contribution. François Blanchecotte, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'en pensent les biologistes? Comment on mesure la qualité en biologie et comment on finance les plateaux techniques? Qu'est-ce qu'ils en pensent? D'abord, c'est d'être associé enfin, dirait-on, à cette crise, parce que ça a mis longtemps à se mettre en place. Nous avons été ignorés des pouvoirs publics, là encore, juste pour des problèmes administratifs, de classification dans le code de santé publique. On ne va pas parler de la péripéritie des masques, auxquels, au bout de 4 semaines seulement, les biologistes médicaux ont droit à peut-être une distribution chez les pharmaciens. Donc ça a été un grand épisode de système D pour arriver à avoir, en tout cas, le matériel et les options nécessaires. Ça met en lumière toutes nos lacunes, toutes nos problématiques, et surtout que un certain nombre d'acteurs, y compris ces grandes agences ou ceux qui nous gouvernent, ont une méconnaissance du secteur que nous représentions. On a eu des difficultés d'approvisionnement, de dumping financier par certains pays, vous en doutez, et qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui a été prononcée pour la première fois lundi par le président de la République, c'est-à-dire d'associer enfin les acteurs publics et privés, en tout cas dans le domaine du diagnostic que nous représentons, parce qu'il y a une prise de conscience globale qu'il faut dépister la population, et il faut dépister en tout cas les plus fragiles et ceux qui aujourd'hui le méritent. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guy, ce qu'a dit David, on est un peu dans le noir au départ, on a découvert même, vous imaginez, des EHPAD dont le directeur ne sait même pas la liste de ses résidents, et donc quand l'ARS nous demande de les contrôlés, eh bien, ils sont incapables de nous fournir la liste des résidents. Donc, on voit à quel point nos lacunes sont grandes, que les données et les datas dont David, évidemment, s'occupe sont préoccupantes parce que elles manquent profondément, cruellement. Nous avons mis en catastrophe notre syndicat, un site pour essayer d'évaluer le nombre de tests qu'on faisait tous les jours, la puissance publique ayant aucune connaissance, bien sûr, de ces données. Et dernièrement, eh bien, c'est l'emballement, puisque aujourd'hui on est au cœur du système, comme beaucoup de gens, avec nos collègues médecins, infirmiers et tout, il faut tous qu'on se serre les bras, être sur le terrain pour dépister et tous se mettre en œuvre pour que on protège au maximum la population. Et comme l'a dit aussi Jean-Paul, ça c'est pas pour le médicament, mais c'est pour la sérologie. Il faut que nos experts, nos virologues se prononcent très rapidement, parce que l'emballement médiatique sur la sérologie a devancé largement nos savants. Et aujourd'hui, la question qu'on nous pose tous, c'est quand ferez-vous de la sérologie? Et nous, nous disons très simplement quand nos virologues se seront prononcés. Alors justement, c'est un très bon sujet. À la fois, Jean-Paul et toi, vous avez développé ça. C'est la médiatisation complète, et c'est quand même une nouveauté. Il y a une réflexion qui était intéressante, qui était par un historien de l'art militaire, qui l'avait dit, aucune guerre ne ressemble à une autre guerre. Et ce qui est émergent dans cette guerre contre ce virus, c'est que les médias ont fait sauter tous les éléments qu'on avait. Avant, la guerre, c'était le lieu du silence. L'armée se taisait, les acteurs se taisaient. Et là, on a vu arriver une médiatisation complète. Qu'est-ce que vous en pensez, les acteurs de terrain, de voir ces médias qui interviennent dans un débat qui est parfois pas le sien? Je vais ajouter un mot avant de laisser la parole à Jean-Paul, mais on a vu beaucoup de grands prêtres se prononcer sur un sujet qui n'était pas forcément de leur compétence. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que les journalistes ont cherché à apprendre. En tout cas, ils essayent d'apprendre en même temps que nous et assez vite, malgré toute notre humilité qu'on a par rapport à ce virus et tout ce qu'on apprend tous les jours. Et on essaye quand même que la communauté scientifique des professionnels de santé essaye de parler d'une même voix, en tout cas en disant le moins d'erreurs possible. Maintenant, les journalistes sont plus aguerris, plus avertis. Ils commencent à mesurer du doigt ce que peut être une conséquence d'une publicité pour tel ou tel produit qu'on utiliserait. Et donc, ça a vraiment une prise de conscience qui est quand même assez forte. Mais je pense que il reste du travail à faire, en tout cas, ça a le mérite de mettre en lumière, en tout cas, notre secteur d'activité. On était un peu méconnu et qu'aujourd'hui, finalement, on arrive en première ligne. Et je pense que là, toute la coordination de la santé que vous soulignez les uns et les autres, elle est absolument essentielle et il faut vraiment qu'on fasse corps tous ensemble pour fonctionner, se coordonner et en tout cas aboutir à une efficience dans cette crise.
Merci. Les pharmaciens ont été aussi au premier rang, ils ont toujours été présents. Même dans les zones rurales comme la mienne, j'ai vu que les pharmacies répondaient présents. Gilles Bonnefond, votre analyse, ton analyse. Est-ce qu'il nous entend, Gilles Bonnefond? Oui. D'abord, au niveau du réseau pharmaceutique, on a tout simplement assuré la présence des pharmacies sur l'ensemble du territoire. Donc, il n'y a pas eu de faiblesse du réseau et on a assuré la continuité des soins. On s'est mis d'accord avec les pouvoirs publics et les médecins pour permettre à des patients qui se retrouvaient peut-être en fin de traitement de pouvoir avoir accès et ne pas être stressés parce que leur ordonnance était terminée. S'ils ont accès à leur médecin, il n'y a pas de problème, il fait le renouvellement de l'ordonnance. Mais s'ils n'ont pas accès à leur médecin, ils pourront avoir leur traitement à condition qu'ils soient stabilisés depuis 3 mois. Donc ça a rassuré énormément les patients chroniques qui étaient inquiets dans cette période pour savoir s'ils pouvaient continuer à avoir leur traitement. Donc on a fait ce boulot en coordination, bien sûr, avec les médecins, pour assurer cette population qui est particulièrement sensible. Bien sûr, après, on nous a confié d'autres missions, la distribution des masques aux autres professionnels de santé. Alors pourquoi les pharmaciens? Parce qu'on a la logistique et que l'on peut, sur tout le territoire, approvisionner nos confrères médecins, infirmiers, biologistes, également les sages-femmes et les kinés, et également les auxiliaires de vie qui travaillent à proximité de patients qui peuvent être infectés ou elles-mêmes être porteuses et donc de pouvoir se protéger. Donc on a fait ce travail qui n'était pas un travail facile, qui était parfois un petit peu compliqué, tout simplement parce qu'on est en pénurie de masques et que tout le monde râle. Vous vous rendez compte qu'un pharmacien aujourd'hui reçoit à peu près 600 masques par semaine et qu'il déconditionne les boîtes de 50 pour en faire des petits paquets de 18 pour donner toutes les semaines aux médecins et à l'infirmier, et on tient une comptabilité de ces masques avec l'assurance maladie au masque près. Vous voyez le travail que l'on fait, bien sûr, on le fait gratuitement, mais je crois que c'est important de protéger l'ensemble des professionnels pour qu'ils puissent continuer à travailler dans de bonnes conditions. On nous a demandé aussi de participer à la lutte contre les violences conjugales, hein, et les violences contre les enfants, pour permettre à des femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles, d'avoir une porte de sortie en pouvant s'adresser à la pharmacie et avoir les bons numéros de téléphone. Moi, ce que je retiens de ce moment de début de Covid, c'est que dans tous les territoires où les communautés professionnelles territoriales de santé avaient commencé à amorcer une coordination, ça a immédiatement relancé de la dynamique et montré tout l'intérêt de la coordination et de travailler ensemble sur le territoire. Alors bien sûr, entre professionnels libéraux, mais également avec l'hôpital, mais également avec les cliniques. Et là, j'avoue que sur mon territoire, Montélimar, eh bien, tout le monde est en train de se parler, on a fait des échanges, on est au courant de ce qui se passe à l'hôpital, on regarde comment on peut organiser un centre Covid, où c'est qu'on le fait. Ça crée une dynamique et une émulation pour travailler ensemble, renforcer le partage d'informations et être solidaire pour essayer de prendre en charge au mieux les patients du territoire. Donc ça a été extrêmement positif et extrêmement intéressant de voir ce phénomène de coordination. Et puis, on voit tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la prévention et le dépistage, où on a besoin de tous les acteurs. Alors, bien sûr, les dépistages, il y a les biologistes, il y a les médecins, il y a ce qui se passe à l'hôpital, et puis sur les tests sérologiques, on aura certainement besoin de l'ensemble des professionnels de santé pour pouvoir faire ce travail à grande masse, puisqu'on va avoir beaucoup de patients à dépister dans un délai assez rapide avec des règles et des outils qui permettent d'avoir des réponses assez rapides. Donc vraiment une grosse. Alors simplement ce que je veux dire aussi, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. On a l'impression que les pharmacies, il y a la queue devant les pharmacies. Et parce que les personnes ne rentrent pas, on fait de la distanciation, hein, ils rentrent que par un ou que par deux, mais notre activité a baissé de 25%. On travaille beaucoup plus, on livre à domicile,
Les patients ne sortent pas, donc nous demandent d'apporter des médicaments à domicile, de faire des dispensations à domicile. Donc le travail est plus compliqué, mais on travaille moins en volume, c'est à peu près 25% sur le début du mois d'avril. On n'a pas une suractivité, les personnes sortent moins, sont moins malades, ont moins d'allergies, consultent moins, bien évidemment, et donc ça a un impact également sur l'économie de l'officine. Alors, je vais justement Ce n'est interroger nos, Pardon? je vais interroger nos Oui. experts là. Il faudrait qu'ils interviennent. On s'aperçoit que on voit bien la limite d'un paiement des pharmaciens à l'acte, comme on dit pour la prescription. Ça veut dire qu'on finance pas correctement les missions d'intérêt général en France. Est-ce que la leçon de la crise, c'est pas de nous apprendre à mieux financer la prévention, à mieux financer les missions d'intérêt général et ne pas Si. attendre, j'allais dire, la crise pour se dire, ah, tiens, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Bien sûr, bien sûr. La prévention, elle, nous sommes dans un système de soins, nous ne sommes pas dans un système de santé. Et le ministère, ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est le ministère des Soins. Donc il faut bien sûr mettre un paquet sur la prévention, c'est évident, parce que c'est moins de soins à terme, donc moins de dépenses. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas que l'on vive encore sur un système totalement hospitalo-centré. Il va falloir réviser cette formule. Alors ça se fait malheureusement dans le long terme. Or, le politique n'est pas dans le long terme. C'est ça la difficulté. C'est que c'est une affaire à 10, 15 ans, 20 ans pour en voir les premiers résultats. Mais je milite fortement et j'adhère à tout ce qui a été dit par les trois intervenants précédents, bien sûr, là, qu'on est tout à fait en phase. Et c'est là où je me dis qu'on a cette chance unique de pouvoir réaliser, à cause de cette fichue bestiole, la mutation indispensable de notre système au début du XXIe siècle. David, d'accord? Oui, complètement. J'ajouterais peut-être deux commentaires complémentaires. Le premier, c'est que si on regarde le sujet à l'échelle de la protection sociale dans son ensemble, on voit qu'il pourra sans doute sortir de cette crise, il faut l'espérer, une réhabilitation de la nécessité de considérer la protection sociale comme un ensemble. La santé est une brique essentielle, mais dans la crise, on voit que les stabilisateurs automatiques de la protection sociale jouent en même temps, et heureusement qu'ils sont là pour amortir l'impact de la crise. C'est vrai pour la partie financière, mais c'est vrai aussi sans doute dans les valeurs que porte la protection sociale. Là, les témoignages des collègues le montrent. Moi, ça m'est arrivé de le vivre, et Guy, j'en suis sûr aussi dans ta carrière. Pendant la canicule en 2003, quand on a vu avec les équipes de la Réunion à gérer une suspicion très compliquée de cas d'Ebola en 2014, ça m'est arrivé, et je pense que tu ne me démentiras pas, Guy, d'avoir le sentiment que quand tout s'écroule, et quand il y a une perte de repères d'acteurs politiques, médiatiques, un système qui s'emballe, les acteurs de la santé et de la protection sociale sont un peu finalement la première, la deuxième, la troisième, mais peut-être la ligne un peu vertébrale du système qui applique les valeurs de la République, quand ceux qui sont censés les défendre, on peut avoir tendance à les perdre de vue. C'est un peu ce qu'on vit plus dans mon domaine en ce moment, sur la question de ces digues qui sautent à vitesse grand V, c'est un peu effrayant d'ailleurs, sur la suppression des contraintes en termes de protection des données. Là, ce sont aussi les acteurs de terrain, hein, ceux qui s'expriment ce soir, qui les représentent, qui remettent un peu l'église au centre du village, pour éviter par souci de court-termisme pour répondre à la crise, on oublie les valeurs essentielles qui fondent le système. Oui, j'adhère complètement à ce que tu dis. Je pense que c'est vrai que les personnels de santé, toutes catégories confondues, sont les garants d'une certaine démocratie, parce qu'ils ont à s'occuper de l'homme, de la femme, de l'enfant malade ou blessé. C'est notre vocation, et donc nous sommes le socle, on le voit bien dans ces crises, tu as tout à fait raison, cher David. On vient nous voir pour ça, on est peut-être la référence même, ce qui ne peut pas ne pas aller, et je crois que... Il faut en tirer les conséquences, et c'est pour ça qu'il faut réviser, garder tout notre humanisme, garder toute notre façon de pratiquer au plus près du terrain pour les patients, mais en même temps être ceux qui peuvent montrer que nous sommes capables d'évoluer et de faire bouger cette société.
On a beaucoup évoqué la question des territoires. Je voudrais interroger nos deux experts, parce que chaque fois, depuis, ça fait 40 ans que j'exerce en milieu hospitalier, on a toujours évoqué la notion de territoire, les regroupements hospitaliers. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il faut redéfinir un cadre territorial nouveau, mais en évitant peut-être l'erreur qu'on a fait avec les collectivités locales, c'est-à-dire d'ajouter des couches supplémentaires plutôt que d'essayer de regrouper sur des masses critiques? Votre analyse pour les deux experts? Ouais, je pense que ce qu'on dit Jean-Paul, Gilles et puis François est très éclairant sur ça. C'est-à-dire que les acteurs là pendant la crise se sont saisis des échelles territoriales en les recomposant, en les mettant en place par affinité, par proximité territoriale. Alors ça, c'est faut mesurer sans doute que l'échantillon là qu'on a ce soir, que tu as réuni, Jean-Paul, avec Fabien Brizard, n'est pas représentatif. Hein. C'est plutôt les bons élèves qu'on a ce soir. Donc il y a une partie de spontanéisme qui remontera du terrain, et puis une autre partie qu'il faut organiser. Et je vois dans la gestion de crise, là, on est dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui, très en développement d'outils numériques d'appui à la gestion de crise pour les établissements de santé publique et privés. Finalement, le périmètre des groupements hospitaliers de territoire n'était pas si stupide. Il y a de la profondeur qui est donnée à cet outil, de l'opérationnalité, et puis l'envie, j'espère, de casser la cloison avec le secteur privé par rapport à ce qu'étaient les GHT dans leur première génération. Donc saisissons-nous de ces échelles-là, rendons-les opérationnelles. D'ailleurs, la crise rend ces échelons-là, qui pouvaient être considérés comme technocratiques, opérationnels, et tirons-en des conséquences plutôt que chercher à retracer des périmètres, ce qui nous éloignerait de l'efficacité réelle. Alors, moi, je rejoins ce que dit David. En fait, on a depuis plusieurs années, on a essayé de donner au territoire de l'importance. On a créé des GHT, puis ensuite des CPTS, et chacun regardait, ah, est-ce que c'est... Non, ah, c'est moi qui vais être le chef, ah, c'est moi qui vais faire ceci. Donc, des systèmes beaucoup trop lourds, à mon avis. On n'a pas fait confiance. Je suis désolé, mais l'État doit être stratège et dire où il veut aller, qu'il laisse les acteurs jouer au foot et qu'ils ne prennent pas le ballon pour aller mettre un but dans son camp. Hein, et qu'il simplement contrôle si jamais nous dérogeons, mais qu'on foute la paix aux acteurs, ils s'entendront très bien entre eux dans les régions au plus près des territoires. Donc je milite pour qu'on ait le moins d'échelons possible et le moins de structures de contrôle qui sont des contrôles a priori, c'est ça qui est insupportable. On vous empêche de faire, hein. On ne vous dit pas vous avez fait mal, on vous empêche de faire. Donc là, il y a une vraie réforme de l'État. Et une vraie transformation du rôle des personnels de l'État et des collectivités, pareil, des collectivités territoriales. Nous avons entre départements, communautés de communes, régions, États, mais quelle complexité pour gérer des centaines de milliers de personnes simplement sur des territoires assez faciles à cerner, qu'on laisse les acteurs et qu'on regarde ce qu'ils font. Parce que on a un bon exemple du Covid-19. Pourquoi appliquer les mêmes règles dans le Cantal, où l'activité, si j'ai bien compris, du virus est relativement faible, et avoir la même à la Seine-Saint-Denis? Je caricature exprès. Je provoque, c'est le réflexe auvergnat. Mes amis d'Auvergne m'excuseront. Mais pourquoi cette unité des règles, alors qu'on est tous d'accord pour avoir une égalité des droits? Mais l'égalité des droits, ça ne veut pas dire l'unicité des règles. Et ça, on a un vrai débat en France. Qui date de Napoléon Louis XIV, etc., c'est qu'on confond uniformité et égalité. L'égalité peut parfois entrer, nécessiter des diversités de situations. Et de la même façon, David, tu l'as dû le voir à La Réunion, on ne gère pas La Réunion comme on gère un établissement hospitalier en métropole. Et même en métropole, on ne gère pas, moi j'ai été directeur de Firmini et de Feur, je salue Forez, on ne gère pas Firmini et Feur de la même façon, parce qu'il y a des cultures différentes. Tout à l'heure, lorsqu'on va parler avec notre amie danoise, on lui parlera aussi de culture danoise, mais il y a des cultures différentes. Et on a un vrai débat en France, qui est la crise va relever le fait qu'il faut faire confiance aux hommes de terrain, qui savent le mieux s'adapter. Et on a vu qu'une des réussites de la crise, et notre collègue infirmier l'a dit très bien, et je l'en remercie, il a dit on a su reprendre le système D. Et ça, c'est la caractéristique de la France. Heureusement, on a un système D. Il y a un exemple tout à fait remarquable, dont on ne parle pas, parce que comme ça marche très bien, tout le monde s'en fout, c'est l'hôpital de Valenciennes, que je suis allé visiter il n'y a pas longtemps, où
les 14 départements ont leur autonomie financière, où le chef de pôle, les 14 pôles ont leur autonomie, et le chef de pôle est accompagné d'un gestionnaire, un contrôleur de gestion. Le pôle de chirurgie, c'est 85 millions. Il en gère 90%. Il peut donc investir dans des personnels, des matériels, en fonction d'eux, sans attendre un an pour qu'on lui dise du haut de la tour de contrôle, ah ben non, c'est niette, ça sera l'an prochain. Donc, je dis voilà, voilà une direction qui a compris, et vous avez à cet hôpital de Valenciennes 5% d'administratifs. 5% sur l'un des plus gros hôpitaux de France, hors CHU, 4200 personnels, 500 médecins, et un bassin de 350 000, 400 000 personnes. Donc, nous avons des exemples qui marchent, mais on les tait. Il suffit de prendre l'exemple de Valenciennes dans la façon de faire confiance aux acteurs, de les responsabiliser. On peut le faire à tous les niveaux. Et tu as raison, cher Jean-Paul, on ne fera pas la même chose à Brest, à Lille, à Strasbourg ou à Marseille. Et tant mieux. Alors, je vais passer la parole à notre... Pardon, David, tu voulais ajouter quelque chose, vas-y. Non, j'ai juste un point pour y souscrire complètement. Avec peut-être un petit modulo, c'est que je pense que dans l'analyse post-crise qu'on aura à faire, il y aura sans doute une recodification de ce qui est finalement le rôle de l'État en matière de santé. Le plus d'initiatives possible au territoire, mais on voit bien qu'il y a certaines fonctions très régaliennes qu'on a un peu oubliées, peut-être, et sur lesquelles il y aura à repenser des chaînes d'approvisionnement logistique, la mise en place de stocks de sécurité sur des matériels essentiels, la partie réellement état-major dont on parlait tout à l'heure. Et on voit que dans la partie stimulus de l'innovation, il y a besoin aussi d'impulsion pour donner des caps. C'est ce qu'on a fait sur le sujet, c'était un peu le sens des messages de ce qu'on a fait sur la question de l'intelligence artificielle avec le groupe du CRAPS, qui a rendu ses recommandations. C'est un groupe qu'on avait porté avec Fabien, avec Anaïs Persson, François Blanchecotte y a participé aussi, pour faire passer le message qu'il faut donner de l'autonomie aux acteurs, mais il y a un moment où il faut aussi leur donner les moyens de leur autonomie en traçant des directions. Et là, on voit qu'il y a le besoin de débloquer des financements de soutien à l'innovation pour que les bonnes idées émergent. Il y a des sujets très très concrets, très immédiats, comme la généralisation de la reconnaissance d'images, du diagnostic de Covid-19 à partir de traitements massifs de clichés pulmonaires, de CT scan. Donc pour faire ça, besoin immédiat, il faut qu'on arrive à débloquer des financements en urgence pour que l'innovation qui émerge du terrain se généralise vite quand elle est bonne. Donc l'incidence de la... Excuse-moi, je suis tout à fait d'accord avec David. Il faut que l'État devienne la méta-plateforme numérique de santé. C'est son vrai rôle, dans lequel on irait tous mettre et tous prendre quand on en a besoin. Ça, je suis complètement d'accord. Donc, la crise nous dit un autre État, on a besoin d'un État, un autre État et une autre confiance des acteurs. Oui. Au Danemark, comment ça se passe? Alors, on a la chance d'avoir Annette qui est... Bonjour Annette. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Alors le Danemark, d'abord la première question qu'on va te poser, c'est automatique. Aujourd'hui, on en est où? Parce qu'on regarde les chiffres et on se dit, mais le Danemark, c'est un dixième de la France. Mais vous avez 300 morts, nous on en a quand même largement 10 fois plus. Comment vous faites? Comment le Danemark, il a une spécificité, mais l'état des lieux aujourd'hui, c'est quoi? Oui, et bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité à cette conférence. Effectivement, les chiffres en ce moment sont très bons au Danemark et même mieux que les experts et les autorités avaient prévu à ce moment de la pandémie. On constate une baisse des patients hospitalisés depuis début avril et on voit aussi que la courbe des contaminés s'est beaucoup aplatie. Et effectivement, on est autour de 312, il me semble aujourd'hui, de personnes décédées et environ 6500 personnes contaminées. Ce qui fait que depuis hier, nous avons donc commencé la première phase de déconfinement au Danemark. Ce qui implique que toutes les crèches et les écoles ont été réouvertes pour les enfants jusqu'à 11 ans. Et par contre, tout le reste, les restaurants, etc., resteront pour l'instant fermés jusqu'au 10 mai. Mais il est vrai que déjà maintenant, si les chiffres restent au niveau actuel, on parle même d'accélérer un peu les phases de déconfinement.
Alors, comment expliquer la situation actuelle? Bien sûr, il y a un premier élément de réponse qui est que les mesures restrictives ont été mises en place très, très vite au Danemark. Après, on a, par rapport à ça, fermé les frontières, ce qui est relativement facile à cause de notre situation géographique, n'est-ce pas, avec seulement une frontière terrestre avec l'Allemagne. Il y a aussi un élément de réponse dans les aspects culturels, dans le sens où les Danois se sont auto-confinés par eux-mêmes assez vite s'il y avait une suspicion de contamination, donc sans des restrictions, ils se sont tout simplement auto-confinés. Ensuite, il y a le fait que le télétravail est déjà très utilisé et très reconnu, donc les gens se sont très vite mis à télétravailler. Il y a aussi le fait que les Danois ont très confiance dans les autorités publiques et ils sont très très bien suivis en fait de toutes les recommandations. Donc aujourd'hui, comme je disais, les chiffres sont bons et même les hôpitaux sont assez vite parce qu'on a, pour pouvoir former le personnel, etc., on a bien sûr reporté tout ce qui était programmé. Donc j'ai encore lu dans un journal aujourd'hui que les médecins disent que ça n'a jamais été aussi calme dans les hôpitaux, en fait, parce qu'il y a moins d'hospitalisations à cause du Covid et tout ce qui était programmé a été reporté. Alors, vous êtes un petit pays, pourtant vous avez joué la carte de la décentralisation avec une approche très territoriale. C'est un élément de réponse pour justifier à la fois les implications des acteurs opérationnels, mais aussi des patients. C'est-à-dire que plus on rapproche la décision du terrain, et plus la confiance semble être plus proche que quand l'État est trop loin. Vous avez cette analyse ou pas? Il est vrai que le Danemark a fait le choix de décentraliser, a eu cette réforme territoriale il y a une dizaine d'années, où on a voulu exactement créer des villes, des municipalités d'environ 50 000 habitants pour, d'un côté, faire des super hôpitaux, comme on dit, donc des grandes structures très spécialisées qui permettent en fait de prendre en charge vraiment les cas les plus complexes et garder, donner des compétences à la ville, aux médecins généralistes et aux municipalités. Donc, par rapport à ce que vous disiez au début, il est vrai qu'aujourd'hui, au Danemark, on a beaucoup réduit le nombre de lits par rapport à ça, par rapport à cette stratégie, et on est à 2,5 lits pour 1000 habitants, qui reste, si on compare avec la France, moins que la moitié, en fait. Mais donc, on se posait la question maintenant avec cette pandémie, où, c'est-à-dire les gens parlent d'un stress test pour l'hôpital, parce que qu'est-ce qui va se passer avec si peu de lits pour l'instant, comme je disais, on arrive à suivre avec les lits qu'on a et il y a quand même des réflexions par rapport à ce que disait M. Cresson aussi tout à l'heure, au nombre de lits de places permanentes en soins intensifs. C'est la même chose au Danemark. Il y a de façon permanente seulement 500 lits au Danemark. On a pu presque tripler ce nombre de lits grâce aux prêts des cliniques privées et aussi des prêts de l'armée et le fait, comme je disais, de déprogrammer des opérations, etc., qui étaient programmées. Donc, il est maintenant, on a des réflexions en cours à savoir s'il faut augmenter ce nombre de places permanentes. David ou Guy, comment vous réagissez? Non, mais moi, je dirais... Je salue Annette Bertelsen. Juste un mot. Le Danemark, c'est 5,7 millions habitants. La région Rhône-Alpes-Auvergne, 6,4 millions. En Allemagne, comme elle l'a dit, il doit y avoir 90 communes. Dans la région française, il doit y en avoir 3500 ou 4000. L'affaire est pliée, c'est tout. Donc, il faut arrêter de saupoudrer et d'avoir ces petites mairies. Je pense que nous avons un énorme travail à faire, qui n'est pas un travail de ma spécialité, mais quand je vois ça, j'hallucine. Et les Danois ont très très bien géré, très très bien modifié leur système dans ce sens-là, et je leur dis bravo, nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux. Juste un commentaire, merci Annette, de l'analyse. Je pense que ce qu'on a vécu montre aussi le chemin qu'on a à parcourir et la nécessité d'une Europe de la santé.
Il y a eu, dans la première partie de la crise, un vrai moment de désarticulation des stratégies nationales. On n'en est pas encore complètement sorti, même si les choses vont dans le bon sens. Il y a eu aussi de la coopération sur le terrain, mais quand même, à l'échelle globale, plutôt de la désarticulation. Il y a besoin d'instruments pour avancer dans cette direction-là. Avec J'ouvre mon porte, un consortium d'acteurs européens qui a été mandaté par Chafea, qui est l'agence de sécurité sanitaire de la Commission européenne, pour mettre en place une carte de vaccination digitale, et dont on voit toute l'utilité dans le contexte qu'on vit en ce moment, pour qu'il y ait une portabilité de la vaccination des citoyens dans les différents pays de l'Union. Il y a besoin de cette coordination et on voit qu'on va être dans un environnement où ces risques pandémiques vont se multiplier et on va avoir des sujets de plus en plus multilatéraux. Et l'Europe a été faible dans la première partie de la crise d'un point de vue sanitaire. Donc on a à construire ça de manière urgente. Reconstruire les territoires de Français, reconstruire un nouveau dialogue entre ces territoires et l'État, reconstruire l'Europe, mais on a du travail là, au CRAPS pour. Je vais d'abord vous remercier tous pour cette participation. Merci Guy Valencien pour sa contribution. Je lui donne rendez-vous à Cham, parce que Cham c'est toujours un lieu intéressant pour débattre dans un lieu où chacun un peu tombe sa veste et réfléchit avec ses propres idées, non pas l'institution à laquelle il appartient. David, je lui donnerai rendez-vous, lui, dans une librairie, parce que je veux à tout prix qu'il nous dédicace son ouvrage Sarah ou une conscience artificielle, parce que je pense que tu as un apport. Je donne rendez-vous à nos amis danois, parce que je lance toujours. Vous savez, au CRAPS, on a une idée, on n'a pas réussi à trouver des volontaires. Alors, si on a des volontaires, on avait essayé de proposer à une région française de se dire, si on appliquait le modèle danois dans cette région, quelles seraient les incidences? Non pas pour dire que le modèle il est bon, mais pour essayer de comparer un peu, pour avoir un peu cette vision européenne nécessaire à la réflexion sur la protection sociale au moment où on veut construire une Europe solidaire. Merci à tous les intervenants pour leur fidélité. Merci à toutes à leur confiance. Nous aurons besoin de vous et d'eux parce que le CRAPS va organiser et va publier d'ici la fin du mois de juin un magazine spécial sur les leçons à retenir du Covid, la parole aux acteurs. Merci à nos partenaires qui, grâce à eux, nous permettent de faire cette émission et qui nous permettent de s'opposer peut-être à la formule classique qu'on a appris en philosophie d'Hegel, qui disait dans les leçons sur la philosophie de l'histoire que les hommes, les peuples et les gouvernements ne comprenaient pas l'histoire et n'en tiraient pas les leçons. Donc, nous espérons pouvoir en tirer ces leçons. Nous vous donnons rendez-vous fin mai pour une autre conférence sur le thème Le modèle de la protection sociale à l'épreuve de la crise. Et là, il faudra parler quand même des finances, parler de l'économie, mais aussi parler, on en a parlé un peu tout à l'heure, de la santé, de la vieillesse, de la santé, du handicap, de la protection sociale, qui est un élément global, comme l'a dit David. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le CRAPS que nous sortirons deux ouvrages prochainement, un sur l'hôpital, la parole aux acteurs, un sur les mutuelles, quel avenir? Et enfin, sur la protection sociale, sur le personnel de la défense, nous sommes en train de travailler sur un projet d'édition. Alors, merci à tout le monde, merci aux techniciens, merci de votre indulgence, parce que c'était notre premier essai de live. J'espère que, moi, je vous ai perdu au moment, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, puis je vous ai pu réussir à vous attraper. Ça, c'est le mystère d'Orange. Merci à Fabien, qui est celui qui fait que si on est là, c'est grâce à lui, parce que techniquement, bravo Fabien. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement à un prochain live sur les premières leçons de la crise, mais vues généralement sur la protection sociale, en disant tout simplement, est-ce que la crise actuelle va changer les fondamentaux de notre protection sociale? Donc, au prochain débat, merci à tous.